Bonjour Thierry Gandillot du Service Culture pour une très réjouissante page cinéma aujourd'hui avec cette magnifique jeune femme qui est Emmanuelle Seigné, vous l'avez évidemment reconnue, et grâce aussi à son mari Roman Polanski qui donne un de ses meilleurs films. Ça s'appelle La Vénus à la fourrure. Alors évidemment, La Vénus à la fourrure, Léopold von Zacher Masoch, livre absolument culte et cultissime. On avait vu ce film à Cannes et je vous en avais dit déjà beaucoup de bien. Ben, il sort cette semaine et je vais vous en dire encore beaucoup de bien. Alors au départ, c'est une pièce de théâtre d'un Anglais, d'origine polonaise, cela dit, David Hayes. Et puis Roman Polanski était à Cannes pour présenter son film Tess d'Hubertville, vous savez, ce chef-d'œuvre. Qui durait 3 heures et qui a été entièrement restauré et présenté à Cannes il y a 2 ans. Bon, en fait, bizarrement, il n'avait rien à faire ce jour-là. Et son agent lui dit, tiens, voilà un script, une pièce de théâtre. It's your cup of tea. Eh bien oui, c'était sa tasse de thé. Et il a rigolé toute l'après-midi et il a décidé de le faire sur le champ. En plus, ça lui donnait l'occasion de retravailler avec Emmanuelle Seigné, ce qui ne s'était pas fait depuis longtemps. Et tout cela pour notre bonheur. Alors, je vous campe le décor, mais je ne vous raconterai pas tout. Au départ, on est dans une salle de théâtre, un metteur en scène assez branché, assez lancé, qui se la pète un peu, un télo, il faut le dire. Il a passé une journée absolument épouvantable, casting minable, que des filles nulles, pour jouer le rôle de Wanda, donc la Vénus à la fourrure. Et puis, alors, déboule une espèce de furie, avec un grand sac, les cheveux collés par la pluie, assez vulgaire. Pas l'air très intelligente, un peu écervelée, elle parle un peu comme dans la rue, voilà. Bon, l'autre se dit, c'est pas du tout, l'actrice qu'il me faut, mais elle va se taper l'incruste, petit à petit, de guerre lasse, il va lui faire faire une scène, et puis, il va apparaître que cette fameuse, elle s'appelle Wanda, elle aussi, mais avec un V, cette fameuse Wanda est beaucoup plus maline qu'il n'y paraît, beaucoup plus retorse, qu'elle a très très bien lu La Vénus à la fourrure, et donc le côté masochiste de l'affaire et sadique de l'affaire ne lui a pas échappé. En plus, elle est ultra féministe, et donc on va monter comme ça dans un décor absolument hilarant, puisque c'est un décor de western qui n'a rien à voir, puisque ce sont des répétitions et qu'il y a une autre pièce de théâtre qui se joue tous les soirs, et avec un final éblouissant. Voilà, on passe un moment absolument exceptionnel, et je vous conseille vivement d'y aller au plus vite.